Aujourd'hui, je suis Gamora des Gardiens de la Galaxie. C'est parti. On commence par enlever de façon sensuelle et sexy notre gilet verdâtre. Pour le coup, j'avais vraiment la couleur de Gamora, donc j'ai eu envie de faire le make-up. Comme ça, même pas besoin de perruque. Et on commence par cacher nos sourcils avec de la colle. Je vous ai fait une vidéo qui parle de ça pendant Halloween 2018. Je vous invite à aller la regarder. Le but est vraiment de bien plaquer nos touffes de poils pour les faire disparaître. Et à l'aide d'un objet pointu, on réalise une cicatrice dans le sourcil. Puis, on attend que ça sèche. Enfin, je dépose du Spirit Gum pour faire vraiment coller l'ensemble. Faites attention avec ce produit, il peut causer des irritations si c'est mal utilisé. Et on attend encore que ça sèche. En attendant, j'ai réalisé mon make-up hors caméra. Donc au niveau des gestes, j'ai fait quelque chose d'assez chargé. J'essaie en ce moment de... de m'améliorer dans le maquillage beauty, c'est-à-dire qu'en général, je fais toujours un petit smokey eyes, mais vraiment très rapide. Là, j'essaie vraiment de suivre des tutos sur internet de nanas qui sont maquilleuses professionnelles et de recréer leur make-up. Donc là, ce make-up, il vient de chez Marion Caméléon, je vous mettrai en barre d'infos. Je l'ai changé quelque peu pour aller avec Gamora parce que logiquement au niveau de la paupière mobile c'est du rouge et moi je voulais vraiment rester dans les roses en référence à mes cheveux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si je m'améliore niveau maquillage beauty ou pas. Ensuite on va passer aux sourcils, on va donc maintenant que c'est sec on va fixer avec de la poudre en faisant tout de même attention à notre make-up qu'on vient de faire. J'aimerais pas tout enlever sans faire exprès, donc hop. Je viens venir claquer. Vraiment pour enlever aussi le côté collant. Et idem de l'autre côté. Alors, ma poudre a un tamis, ce qui n'est pas du tout pratique. Je tâte de le découper. Voilà, on va enlever le laisser de poudre après. Et là, on va passer aux cicatrices de la Gamora. Je dessine d'abord au crayon blanc mes cicatrices pour avoir des repères pour appliquer mon collodium. Et on va tout simplement passer le collodium au niveau de nos sigles blancs. Pour cela, j'ai pris un eyeliner à pointe en silicone pour vraiment pouvoir être très précise dans mes tracés. Plus on met de produit, plus la cicatrice sera profonde. Encore une fois, attention aux produits FX qui peuvent être irritants, à manipuler avec précaution. Plus qu'à attendre que ça sèche pour avoir des super cicatrices. Je sens que ça tire. On va passer maintenant à la partie coloriage. Donc Gamora a la peau verte, on va nous aussi avoir la peau verte. Pour cela, je prends mon éponge trempée dans un peu d'eau et ma couleur verte. Cette partie dure normalement presque 10 minutes. Je vous en ai fait grave avec un accéléré de malade. Pour les sourcils, j'ai pris un pinceau pour ne pas décoller mon plaquage de touffe fait précédemment. Et avant que la couleur ne sèche, je prends du vert clair pour réaliser mon highlighter et le fondre avec ma nouvelle couleur de peau. Et je remets par-dessus du fard gras blanc pour avoir vraiment un différentiel de couleur pour mon teint. Le secret d'un beau teint, c'est qu'il soit bien dégradé. Ensuite, pour structurer un peu le visage, on vient réaliser le contouring. Là, j'ai juste pris un fard à paupières noires que j'appose sur le front, sous les pommettes, sous le menton, et on vient flouter l'ensemble. Évidemment, on n'oublie pas le nez. Hors caméra, j'ai fini mon buste et j'applique un rouge à lèvres vert métallique. Évidemment, notre petite touche d'highlighter. J'ai repassé mes cicatrices en blanc, puis je détache notre chevelure de lionne. Pour le fun, j'ai rajouté des dents de vampire. Et voilà le travail. J'espère que tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire.
N'hésite pas à mener tous tes challenges, tous tes défis, je les réalise tous avec plus ou moins de temps d'attente. Rejoins-nous pour qu'on soit de plus en plus nombreux, notamment sur Instagram, sur Facebook et surtout sur YouTube. Et en attendant, prenez soin de vous, bye! Donc oui, ce sont mes vrais cheveux. Je ne mets plus de perruque parce que ça me casse les ovaires. Ça se voit que c'est pas naturel, faudrait que j'en achète de qualité, mais... Donc pour l'instant, je prends mes vrais cheveux et puis je change... Là, donc j'ai vraiment fait du rose. Hier, j'étais en vert pour faire le Joker. Je change de couleur un peu souvent, c'est pour ça qu'ils sont pas mal abîmés. Mais bon, que veux-tu ? Que veux-tu ?